Bonjour, je m'appelle Nadine Royère, je suis directrice de l'association Gaz 18 Mobilité. Un garage associatif solidaire, c'est une association qui fait le choix de faire de la réparation mécanique, de louer des véhicules, de réparer des véhicules pour la vente. Solidaire parce que à destination de publics en difficulté. Toutes nos prestations sont exclusivement destinées à des bénéficiaires qui sont orientés par des travailleurs sociaux au sens très large. L'association accueille actuellement 28 personnes qui se répartissent sur trois activités. Une activité de classique de mécanique automobile, une activité de gestion commerciale et une activité qui est plus nouvelle et qui existe depuis le mois de juin 2018, qui est une activité de transport de personnes. Toutes ces personnes ont un encadrant technique. Ils s'assurent que toutes les étapes de démontage et de remontage sont bel et bien bien exécutées. Parce qu'on est peut-être garage associatif solidaire, mais on a l'obligation de résultat comme n'importe quel garage. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans un chantier d'insertion de mécanique qu'on doit devenir ou vouloir devenir mécanicien. C'est une étape pendant laquelle on va retravailler tout ce qui est indispensable pour remettre le travail devant soi.